Bonjour à toi, chers spectateurs qui aiment bien les adaptations de la famille des Kings. Et avant de parler de son fils, parlons du papa qui est à nouveau adapté au cinéma au travers de la deuxième adaptation donc d'un de ses romans qui se nomme Firestarter. En VF, le roman s'appelle Charlie, mais en France, maintenant, on a décrété qu'on gardait les titres originaux, réalisé par Keith Thomas. Et alors, l'histoire, on va essayer de la faire très simple parce qu'on pourrait facilement s'éparpiller. Andy et Vicky se sont rencontrés lors d'une série d'expérimentations dont ils ont été à la fois les cobayes mais également les victimes, où ils ont eu des pouvoirs organisés par une cellule un petit peu obscure du gouvernement. Suite à cela, ils se sont mis en couple. Ils ont eu une jeune fille qui se nomme Charlie. Sauf que Charlie, à sa naissance, déjà a commencé à montrer potentiellement des signes de pouvoir surnaturel. Et à partir de là, eh ben, le gouvernement va potentiellement essayer de remettre la main sur les parents, mais surtout sur Charlie. C'est très bien, c'est très bien. Je savais vraiment pas Mais comment non, le mais c'est cool, résumer, c'est bien. c'est compliqué. Pour en parler avec moi, eh ben, à partir du moment où il m'a dit qu'il aimait beaucoup Stephen King et qu'il attendait énormément Black Phone, je me suis dit, faisons-nous un petit tour de chauffe en ce mois de juin et parlons d'abord de Firestarter, mon cher Kevin. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, je dois t'avouer que quand j'ai entendu parler de ce projet, j'étais aussi sceptique qu'intrigué. Intrigué parce que une adaptation de Stephen King, c'est toujours un peu intéressant, même si c'est Toujours, vraiment en ouais. dents de scie la plupart du temps, allant de ça qui est vraiment cool à Cimetière qui est pas loin d'être une daube. Bon, tu peux le dire. Une daube, Oui, 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 voilà, une daube. oui. Enfin voilà, on passe vraiment de bonnes adaptations à des trucs qui sont très limites. Donc il y a un vrai questionnement autour de est-ce que les gens sont fans de Stephen King aujourd'hui ou est-ce que c'est juste parce que Stephen King fait vendre des places de cinéma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me disais pourquoi pas, sait-on jamais. Le film a déjà eu une première adaptation dans les années 80 par Mark L. Lester. Qui est-ce qu'elle est? Fidèle, mais pas très cinématographique. Le grand paradoxe des adaptations de bouquins des années 80. Mais donc du coup, ce remake se posait là. Et alors par contre, pour la partie sceptique, je dois t'avouer que ça a été, même si j'aimais beaucoup The Vigil, le choix de Keith Thomas à la mise en scène, Je connais qui pas est du un tout, ouais. réalisateur qui a fait donc The Vigil, qui est un premier film d'épouvante plutôt sympathique, mais pas forcément hyper audacieux, avec un bon concept, une bonne mise en scène, mais qui n'était pas jusqu'au boutiste dans son idée. Donc je t'avoue que le choix de ce réalisateur était intéressant sans être plus audacieux que ça. Alors par contre, le moment où j'ai été complètement perdu, c'est le casting. Où je me Oui. suis vraiment demandé ce qui Ouais. s'était passé, où je me suis dit pourquoi? On est d'accord, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est à ce moment que je tourne vers toi, chère Faut que tu mettes Kevin. des sous-titres pour cette partie-là, Oh oui. effectivement. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de Firestarter? Bah, c'était pas terrible, hein. Voilà. Je pense que y a pas grand-chose à dire de plus. Le film survole beaucoup l'histoire du livre. Parce que quand on lit le livre, forcément, on a beaucoup plus d'attentes. Les personnages sont pas assez développés, le casting est pas. Il n'est pas bien choisi, on en parlera si tu veux, mais voilà, ça m'a gêné. Et puis, non, j'ai pas été convaincu du tout, je suis pas vraiment rentré dedans. Y a vraiment, la musique m'a vraiment pas déplu, par contre, parce que la musique de Carpenter, de son fils, et il y a une troisième personne dessus. Oui, ils sont trois. Et quand même, moi je sais pas où est-ce qu'ils sont allés, comment ils ont convaincu John Carpenter de Ouais. repartir avec son fils et un des autres disciples qu'il a sous sa main pour faire une bande originale juste comme ça. Ça m'a complètement surpris. Bah du coup ça rajoute quand même un peu de charme, Ah bah oui, c'est clair que. carrément même du charme au film qui est pas terrible, et on a vraiment une bande son digne des années 80 Ah bah dedans, punaise, ouais. voilà. Et ça fait plaisir parce qu'on l'entend tout le long du film, elle est ultra présente. Mais sinon non, pas du tout d'empathie pour les personnages. C'était pas, non c'est très oubliable quoi. Alors faudra que je regarde la version du coup de 84, mais j'en retiens pas grand-chose, hein. Mais on aura quand même des choses à dire. Mais voilà, c'est mon ressenti vraiment. Eh ben, je suis à peu près sur la même longueur d'onde que toi. Si ce n'est que, en fait, T'es un peu plus. je suis un peu plus positif Ouais, parce ouais. que j'ai trouvé le film, là où tu y vois vraiment un côté très réducteur par son heure et demie, par son envie de vouloir s'éloigner de Bah, ce pas qu'elle mal raconte. de.
Parce qu'en une heure et demie, on aurait pu faire quelque chose de Ah oui, très non, bien, non. quoi. À son côté très justement éloigné de l'adaptation fidèle qu'on a pu avoir dans les années 80, parce qu'il faut dire quand même que le premier film de Mark Lester dure 2 heures. Quand 2 heures, t'as le temps de poser un petit peu toute ta base. Là, le film dure 1h34, générique compris. Donc c'est extrêmement court par rapport au bouquin qui, tu me disais, fait 650-700 pages. Il Ce fait, je crois qui. qu'il fait 600 pages. Alors après, ce qui est assez particulier, je pense, avec Stephen King, c'est que peu importe, on va pas prendre que celui-là, mais il y en a d'autres où tu peux parfaitement résumer l'histoire en un film de 2 heures. C'est-à-dire qu'il fait 600 pages, mais c'est assez facile à structurer pour un début, un milieu et une fin. Ouais. Donc je pense qu'en termes d'adaptation, même si ça dure 1h45, tu peux quand même en ressortir l'essentiel, voire beaucoup plus. Et en faire quelque chose de très proche. Tu vois, quand tu peux résumer un livre comme Cimetière, c'est pas très compliqué d'en ressortir les éléments et d'en faire une adaptation, je pense. Tout à fait. C'est juste qu'à chaque fois, ce qu'ils font, c'est très mauvais aujourd'hui, Bah, je trouve. en fait, je trouve qu'ici, il y a une envie de ne pas vouloir refaire les mêmes erreurs que sur l'original. Parce que même si l'original a un statut de film culte pour certains, par la présence de Drew Barrymore et par une certaine envie de vouloir nous embarquer dans l'univers de King, parce qu'à l'époque, mine de rien, il n'y avait pas non plus 10 000 adaptations de Stephen King tous les ans comme on en a contrairement aujourd'hui. Dans les années 80, Ouais, il y en bah, avait beaucoup quand au même. début des années 80, c'était rare. C'était plutôt vers la fin des années 80, début 90, je trouve, où il y avait vraiment un gros engouement. Là, on était encore dans le début. Et puis Firestarter, à l'époque, Charlie, c'était pas non plus le bouquin de King, c'était le plus vendu. Bah, je sais pas du tout. Je crois que Alors, de mémoire, ça s'était pas hyper bien vendu, mais que ça avait eu quand même une bonne fanbase et que les gens avaient aimé l'idée. Mais alors, c'était le dernier film qu'on imaginait voir être adapté au cinéma à l'époque. Donc, clairement. Mais. Le film original est une copie conforme au vu de ce que Kevin m'a dit, parce que moi je n'ai pas eu le bouquin, mais Kevin l'a lu. Au vu de ce qu'est le film des années 80, c'est une copie conforme de ce qu'est le roman. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune prise de risque, aucune adaptation, aucune envie de s'éloigner un petit peu de la base. C'est vraiment on reprend tout ce qu'il y a dans le roman et on refait identique. Or ici, on est vraiment sur une envie de vouloir adapter le bouquin au cinéma. Et c'est un parti pris que personnellement je trouve intéressant, même si il est mal construit et qu'il a tendance à vouloir être tellement dynamique dans son envie de vouloir jouer sur une course-poursuite entre Andy et sa fille et le gouvernement, que du coup on en oublie d'avoir une vraie accroche et une vraie attache émotionnelle au personnage, ce qui fait que du coup en tant que spectateur, on peut être fasciné par ce qui se passe, mais on va être rarement attaché. Et du coup on Complètement. va rester devant ça et on va se dire, bah ils sont bien ce personnage, mais il m'intéresse pas. Ce qui est très problématique à partir du moment où tu vas avoir une vraie attache émotionnelle, surtout avec un personnage comme Charlie, qui est supposé être une enfant, qui découvre qu'elle a des pouvoirs, et qui va devoir apprendre à les utiliser. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un affect émotionnel, et affectif, enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. C'est pas un problème d'ailleurs ce que tu dis de modifier pour Mmh, dynamiser par rapport complètement. à une œuvre. Littéraire, c'est pas un problème, c'est juste que là c'est pas bien fait. C'est ça le truc, Ouais. tu vois. Si on nous avait fait une histoire qui reprend vraiment les grandes lignes, mais qu'on a beaucoup de développement, beaucoup d'attaches, que c'est bien fait, que c'est bien joué, enfin qu'on a un tout, il n'y a aucun problème. Tout à Il n'y a fait. aucun problème. Mais juste que là tout est survolé pour moi de bout en bout, quoi, et le casting aide pas. Ah bah ça c'est clair, on aura Je l'occasion d'en c'est parler très fade après, quoi mais le donc casting est sacrément fade. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture. Donc un seul scénariste, Scott Teams, ce qui semble de plus en plus rare pour les adaptations de Stephen King, où généralement il s'y colle à 3 ou 4, sauf quand on a un vrai auteur aux commandes, Mike Flanagan. Ah, Mike Mais Flanagan. voilà. Attends, Mike Flanagan ou Frank Darabont, Ou parce que c'est Frank quand même Darabont. lui qui a fait les Tout à meilleures fait. adaptations de King hein, quand Tout à même. fait, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Mais donc, Scott Teams nous propose sa vision de Firestarter. Une vision donc très réductrice et également très linéaire. C'est le paradoxe. Là où l'original voulait un petit. Enfin, le film des années 80 voulait dynamiser un petit peu son récit en amenant des flashbacks, en ayant une course-poursuite principale, mais en ayant voilà, des petits retours dans le temps pour comprendre un petit peu mieux certains personnages. Là, ici, l'objectif, c'est d'être le plus linéaire possible. Donc, d'aller d'un point A à un point Z. Donc dès le début, on va sentir qu'il n'y a pas la même ambition. C'est une ambition qui veut être beaucoup plus énergique, beaucoup plus rythmique, qui se veut beaucoup plus sur de la tension que réellement de la fascination ou en tout cas de l'immersion par le biais des personnages. On est clairement, enfin je sais pas ce que tu as eu comme ressenti, moi j'ai eu la sensation en fait de voir Pas grand-chose. une grande montée en tension et une chute drastique.
L'objectif du film, c'est vraiment ça, de nous faire monter une tension globale tout du long du film, de n'avoir que très rarement des petits pics comme ça, et à la fin d'avoir vraiment une grosse chute. Bah alors je suis d'accord, mais la montée en tension elle marche pas du coup. Parce que moi j'ai ressenti aucune tension quand j'ai regardé le film. Enfin vraiment j'étais pas dedans, j'étais pas happé par ce que je regardais, je me disais j'étais pas angoissé pour les personnages. Parce que en plus tout va trop vite parce qu'on est censé avoir une traque du père et de la fille par la boîte, du coup l'organisation scientifique. Et la traque elle est sur la durée dans le livre. Là on a le personnage de Rainburn qui nous est présenté très rapidement, Bon, il nous est pas présenté. Pour moi, il est contrairement au premier film où il était vraiment introduit bah comme pas présenté mais il est introduit. ah bah et là Il reçoit un coup de téléphone, vous voulez reprendre du c'est un service, agent dormant du gouvernement. Hein. Pour moi, voilà. c'est ouais ils l'ont vraiment réduit à un truc. Enfin, euh, ouais c'est là qu'en fait on voit le problème de Scott Teams, qui veut tout réduire, mmh. tout, 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 tout. Il faut pas que l'agence gouvernementale y ait trop de monde. Donc on va Ouais. privilégier la police. Il faut pas non plus que Rainburn, il ait trop gros background. Donc c'est juste un agent C'est dormant du ça. gouvernement. Il faut pas qu'on ait machin. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'en fait, il s'est dit, il faut tellement que je fasse un travail de synthèse que je vais réduire les personnages à une fonction. Et c'est tout. Ouais. Et c'est très problématique parce que Bah souvent oui. dans les romans de King, les personnages ne sont pas juste une fonction. Ils représentent quelque chose. Ouais. Ça peut être un idéal américain, ça peut être un élément de l'histoire américaine, ça peut être une certaine condition de la société américaine. Il y a toujours un contexte derrière les Et personnages. puis ils vont apporter aussi quelque chose pour un autre personnage. Enfin, il peut y avoir une complémentarité des fois. Et là, du coup, Rainburn, c'est vraiment un personnage hyper intéressant dans le livre. Et il a quelques scènes dans le film qui sont bien. L'acteur, je l'ai pas trouvé mauvais. Ah non, non, C'est lui, on en peut-être reparlera après, mais celui, c'est peut-être un de ceux qui est le plus... absolument, Ouais, ouais, non, qui non, ressort clairement. plus du lot parmi tous les autres. Mais même en termes d'organisation, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages. On a Cap Hollister, donc là c'est une femme du coup dans le film, c'est un homme je crois dans le livre. Tout à Mais fait. même on a beaucoup plus de bras droits ou de personnes aussi importantes et influentes dans cette organisation du gouvernement là. Et même ils sont traqués sur la route tout le temps. Là c'est très très réducteur. On voit pas beaucoup le laboratoire non plus. Ah non, on le voit à la Rainburn, fin, il est c'est tout. enfermé en plus, comme les autres. C'est pas du tout ça. Il y a un plus grand développement de son personnage dans le livre aussi. Mais même si on essaye de pas trop se référer au livre tout le temps, il aurait fallu quand même beaucoup plus enrichir son perso à lui, qui est très très connecté avec Charlie. Et là, si tu fais ça, tu augmentes encore plus aussi l'intérêt pour le personnage principal. Alors que là, bon, je le trouve pas très très intéressant, le personnage de Charlie Ouais, bah en fait, dans le film. le gros problème qu'a le film dans sa globalité en termes d'écriture, c'est que Teams ne semble à aucun moment se dire qu'il faut que son histoire se suffise à elle-même. C'est comme s'il prévoyait déjà de potentiellement avoir un Firestarter 2. Sans spoiler la fin, Alors, on a un peu cette sensation-là à la j'y fin. ai complètement pensé en voyant la fin, mais complètement. Parce que du coup, en voyant cette fin, je me suis dit, peut-être que c'est une manipulation de la part de Rainbird et que il essaye de se rapprocher de cette manière-là avec de Charlie et que s'ils font une suite, on va avoir un autre pan On du va livre avoir qui le va... fameux pan qui n'est pas Ouais. adapté, quoi. Ouais, clairement. Mais j'ai clairement eu cette pensée aussi quand j'ai vu la fin, mais je vois pas... Alors c'est pas du tout une bonne idée hein, de le Ah faire, non, non. mais Non, non. C'est clairement c'est pas vrai ça. Là, que j'ai eu cette j'ai... pensée aussi. Mais de toute façon, dans sa globalité, l'écriture, je pense qu'on est d'accord pour dire ça, elle veut tellement aller à l'essentiel qu'elle en oublie de prendre son temps pour développer des scènes et des personnages. Absolument. C'est-à-dire que Andy est un personnage qui doit avoir une vraie force émotionnelle tout le long du film. C'est supposé être un père qui veut surprotéger sa fille. C'est juste un espèce de bras droit de sa fille qui passe son temps à lui dire vas-y, sers-toi de tes pouvoirs. Bah, non, en fait, tu es son père. Tu es supposé lui dire de se contrôler. Tu Ouais, n'es pas supposé lui dire d'exploser constamment. Tu n'es pas un bon papa. Désolé, Andy, tu n'es pas un bon papa dans ce film. Mais c'est vrai que c'est le paradoxe parce que Andy, dans l'original, est vraiment un père surprotecteur qui sait que sa fille a des pouvoirs qu'elle ne peut pas contrôler et qui passe son temps à lui dire, il faut vraiment que tu travailles sur toi avant de bien vouloir sûr. essayer de t'en servir. Et là, au contraire, on est sur un Andy qui est quasi dans le besoin de dire à sa fille, vas-y, serre-t'en, mais il faut que tu le contrôles, mais serre-t'en. Ah oui, mais en fait, si tu lui dis de s'en servir et qu'elle sait pas le faire, bah... On perd toute la parabole justement de l'affect paternel, de l'enfant qui doit être protégé parce qu'il est dans un âge particulier,
Et en plus, dommage parce que on sent que par le biais du choix de cette jeune actrice qu'on évoquera ensuite, qui a un âge un petit peu plus mûr, on veut aborder une thématique beaucoup plus adolescente. Là où dans l'original, on est beaucoup plus sur l'archétype un petit peu de l'enfant qui va découvrir des pouvoirs et Tout à qui fait. va être dans un âge où en tant qu'affect spectateur, on est totalement affecté par ce personnage parce qu'on voit que c'est un enfant. Là, on est plus dans une jeune adolescente qui découvre des choses sur elle. Et moi, j'aime bien cette thématique. C'est une thématique qui peut réellement avoir un impact sur le spectateur parce que c'est un âge, l'adolescence, où justement, on se découvre intérieurement et où du coup, montrer cette métamorphose par le biais de l'arrivée de pouvoir. Bah, ça fait qu'en tant que spectateur, t'es complètement affecté par ça. C'est ce qui fait que dans les X-Men, t'es hyper attaché à certains personnages qui sont dans un âge où justement, lorsqu'ils découvrent leur pouvoir, bah, t'as envie d'être à côté d'eux. Alors Ouais. là. Là, du coup, en disant ça, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Carrie, hein. Voilà. Tout à fait. Adolescente qui devient une femme et qui en même temps a des pouvoirs télékinétiques. Tic, oui, tout à fait. Donc, tu peux rapprocher ça à certaines scènes de celui-là aussi. Clairement, je sais plus quel âge elle a dans le livre, mais ouais, là, ils ont clairement fait un peu On est pré-adolescent. sur 13-14 là, 12-13-14, on est sur vraiment Dans une. le film, Dans le film là. dans le livre, elle doit être plus jeune. Mais du coup, ouais, ça me fait penser à Carrie. En termes de mise en scène, donc, comme je l'évoquais, Keith Thomas, c'est seulement son deuxième long métrage, après The Vigil, qui était un film d'épouvante avec un très bon concept, puisqu'en gros, c'était un jeune juif qui se retrouvait à faire la veillée d'un corps la première nuit après qu'on ait découvert sa mort. C'est un rite en fait. D'accord. Et c'était vachement bien comme concept. Qui se tenait pas forcément jusqu'au bout, mais j'aimais bien l'idée. C'est original, ouais. Ah oui, non, non, c'est Ouais. hyper original et je trouve que Keith Thomas avait bien réussi à gérer son truc. Mais donc là, du coup, bah, il est uniquement réalisateur. Chose qu'il n'était pas sur The Vigil. The Vigil, il était réalisateur et scénariste. Donc il contrôlait un peu plus son film. Ok. Là, il se retrouve à adapter un script qui est Déjà. très carré. Et ben en fait, moi, je dois avouer qu'il y a un point qui m'a convaincu, mais qui est contrebalancé par un autre point que je trouve complètement foiré. Le film a une super ambiance, qui fait très années 80, mais on voit pas de patte de mise en scène. C'est très problématique par moment. C'est-à-dire que le film est hyper lisse en termes de style. Il n'y Oui. a pas un plan où tu vas te dire, Oh waouh, oui. ça c'est un truc de dingue. Il y a quelques plans où tu te Absolument. dis qu'il y a une bonne scénographie, un bon placement des personnages, une bonne idée. Mais il y a rarement des scènes où tu te dis, ce plan, il est vraiment impressionnant. Il y a des plans où tu te dis, bon, l'effet avec le pouvoir de Charlie, il est pas trop mal. Il a une certaine gueule, mais on sent que en même temps, avec une production Blumhouse, on s'attend pas à moins de leur part. Mais il n'y a aucun moment où on se dit, là, ça devient un petit peu plus explosif, ou ça devient un petit peu plus ambitieux, ou ça devient un petit peu plus fort. Ouais, C'est. alors ambiance années 80, bah pas trop pour moi. Bah Ouais. moi c'est que la musique qui m'a fait cet effet-là, mais il n'y a aucune originalité dans, bah, comme tu disais, dans les plans, même dans la couleur. Enfin tout est, je sais pas. La seule originalité pour moi, c'est le labo de fin, Oui, que je trouve un peu bah oui, classe parce et un que peu du coup stylé. on peut jouer sur des lumières, sur le côté sombre. Et puis il fait très années 80 ce labo avec des néons partout, Ouais. des couleurs Voilà, bah là flashy. ça fonctionne beaucoup, mais Ouais. on a beaucoup de scènes en extérieur jour et il n'y a aucune couleur en plus. Enfin, Ah bah moi non. ça m'a pas. C'était fade en fait. Et c'est ça aussi qui m'a gêné en plus, c'est que je me suis dit au pire, si j'aime pas trop les personnages et que je les trouve pas très bien, je les trouve fades, au pire, dans les plans ou dans la couleur, ça va être mieux. Pas du tout. Il n'y avait rien pour moi, il n'y a rien à en tirer, hormis peut-être du coup la scène de fin, mais même quand il utilise ses pouvoirs. Bah en fait, c'est le gros. C'est pas. Je sais pas, y a rien. En plus, il n'y a même pas trop de découvertes. Des fois, t'as des feux, ils se déclenchent comme ça, hein, juste pour faire un effet. Non, c'est pas. Vraiment. Non, Ah, je désolé, mais sens que tu as j'ai. été très très Ben refroidi ouais, par le je. film, hein, Franchement, c'est. je. Alors qu'on parle Oui, d'un de film feu. chaud, d'un film chaud. Ah, bien joué. Non mais en soi, alors moi je suis moins catégorique parce que moi je trouve que même si on peut imputer beaucoup de défauts au film, il a du rythme. Je veux dire, il est rapide, il est punchy, il est dynamique. Il y a un bon travail de montage, je trouve, de la part de Thomas qui arrive quand même à faire en sorte que son récit s'enchaîne correctement, même si bon, il y a tous les défauts qu'on a évoqués par rapport à l'écriture. Mais mine de rien, derrière, il y a du dynamisme, il y a de l'enchaînement de séquences, on s'ennuie pas, on n'est pas en train de regarder sa montre. Certes, on a des reproches à faire à certains éléments, mais à aucun moment on trouve le film lent. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans une époque où on a tendance à rallonger les films, à les étendre, à faire en sorte qu'ils soient de plus en plus longs, voir un film de 1h34 qui, certes,
atteint pas son objectif de base qui est de parfaitement maîtriser ses personnages, ne réussit pas à avoir une vraie identité graphique, mais a quand même une ambiance selon moi. Que derrière le film soit dynamique, énergique et qu'on ne s'ennuie pas devant, bah, j'ai quand même envie de saluer le geste. Même si le geste derrière j'y vois plein de défauts et que je me dis ça fonctionne pas, c'est pas parfait, il y a plein de trucs qui sont à revoir, je me dis quand même, au moins le film m'a embarqué dans son délire jusqu'à sa fin. Alors, il est dynamique, ça c'est sûr. Bah oui, forcément, comme tu disais, ils veulent absolument aller jusqu'à, enfin, d'un point A à un point Z. Donc, du coup, forcément, ça bouge, il y a un bon rythme. Mais moi, comme j'aime beaucoup Stephen King, je suis un petit peu exigeant. Eh ben oui, ce Et j'aime qui... beaucoup le cinéma fantastique d'horreur ou épouvante aussi. Et du coup, moi, j'ai pas été convaincu du tout. Mais le rythme, et j'ai rien à dire là-dessus, je suis d'accord avec toi, il y a un rythme, mais. Mais bon, je trouve pas que parce qu'il est rythmé, il est pour autant intéressant à regarder, quoi. Et pour moi, derrière, c'est bon de préciser, c'est plus un film d'action qu'un Oui, film d'horreur. clairement. C'est Mais bon de le bon, dire. il faut aussi savoir que derrière, on nous dit c'est Blumhouse, c'est Stephen King. Bon, alors après, je sais pas, les gens aujourd'hui, ils vont pas être trop regardants sur le fait que ce soit une adaptation de Stephen King, Peut-être, mais ils vont voir peut-être. ça, ils vont se dire c'est un film d'horreur tout de Ouais, suite. non, non, c'est un film d'aventure et d'action. Bah À la oui, limite, c'est un thriller aussi, mais mais ça n'est jamais un film d'horreur, hein. c'est pas aussi le genre premier de Stephen King. On dit Tout à souvent que c'est fait. de l'horreur, mais c'est Surtout surtout du fantastique. de l'épouvante fantastique où on a des trucs qui vont être très effrayants. Il y a des romans ou des nouvelles qui sont quand même beaucoup plus horrifiques. Moi, je Oui, tout sais à fait. que The Mist Oui, de bah, Frank The Darabont, Mist est terrifiant. c'est C'est le truc le plus. angoissant comme c'est pas Le permis. plus horrible que j'ai lu de lui et que j'ai vu en adaptation aussi, c'est un de mes préférés. Là, c'est des exceptions peut-être, mais de manière générale, on est quand même beaucoup plus soit sur du fantastique. C'est pas effrayant, quoi. Ah oui, non, non. Ou alors, il faut vraiment avoir une bonne mise en scène derrière. Et puis, C'est ça. mais sinon, non, c'est pas un film d'horreur à proprement parler, hein, clairement. On fait une petite digression quand même pour parler de la bande originale, qui pour moi vraiment ça couple parfaitement avec cette ambiance globale qu'il y a sur le film. Enfin, la bande originale, elle est complètement atypique. Et je pense, c'est un point que je voulais évoquer, mais je trouve qu'il y a une vraie filiation. Alors, tu vas me trouver bizarre, mais je trouve qu'il y a une vraie filiation entre le Resident Evil qu'il y a eu dernièrement au cinéma et cette adaptation de Firestarter. Pas vu. L'envie de faire un hommage à John Carpenter. Parce que là, le film, littéralement, jusque dans sa typo, j'ai vérifié, est dans l'hommage à Carpenter. Dans la typo La aussi? typo de Firestarter, c'est la même typo que tous les films de Alors. John Carpenter, comme c'était le cas pour Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Resident Evil, Ah, Bienvenue à j'ai Raccoon pas City, vu. c'était pareil. Il y avait la même manière de gérer l'ambiance, il y avait la même manière de construire le film, c'était du Carpenter. On avait l'impression de voir The Thing mixé avec Ghost of Mars. Là, je trouve que dans cette envie de vouloir immerger le spectateur dans cette ambiance, dans le choix d'ailleurs de rameuter John Carpenter, qui, je sais encore une fois pas ce qu'il est venu foutre ici, parce que en soi, il n'en tire rien. C'est-à-dire que les trois quarts des gens vont s'en foutre que c'est John Carpenter qui a fait la bande originale. Ils vont même Bah, pas le voir, ils ça se vont pas trouve. être regardants, Ils vont même je pas le pense. voir, Bah, ça se trouve. peut-être, après, je sais pas, mais. Mais du coup, c'est bon de le préciser. C'est quand même un truc de dingue qu'à un moment, John Carpenter se dit, vas-y, j'ai juste envie de me faire un petit kiff, on va faire une bande originale. Allons faire la bande originale de Firestarter. Et du coup, je trouve que quand même, ça apporte aussi un petit cachet au film. Certes, un De petit fou. cachet qui est plus anecdotique peut-être pour certains, mais je trouve que dans l'ambiance, ça Bah, donne vraiment une identité au long métrage. elle est ultra présente, la musique. Elle donne une identité au film. Oui, tout à fait. Et c'est ce que je te disais avant qu'on fasse la vidéo, c'est que je t'avais dit que par contre j'avais beaucoup aimé l'opening credit, celui où justement bah, on parle de la typo. Moi, je suis assez regardant là-dessus parce que j'aime bien, du coup. Et là, oui, le truc un peu qui grésille, hein, ça fait un peu des espèces de glitch avec la musique derrière. Et puis tu vois les images où on voit du coup Vicky et puis Andy qui sont en train de se faire interroger pour le test, du coup, avec le produit qu'on va leur injecter. Ça, j'ai beaucoup aimé par contre. Et puis après, tu vois le Firestarter en rouge qui s'affiche. Et ça, j'aimais bien avec la musique de Carpenter derrière. Ça, j'ai retrouvé un vrai truc années 80. Mais après, la musique, quand elle est couplée avec des scènes qui n'ont pas forcément d'originalité dans comment elles sont faites et avec la couleur qui peut aller avec ou autre, ben ça va augmenter l'intérêt de la scène, mais pas jusque-là pour en faire vraiment une véritable ambiance années 80. Je peux pas être aussi catégorique que toi dans ce côté positif, mais il y a quand même du bon là-dessus. Et vraiment, quand j'ai regardé
Le générique de début, j'étais vraiment. Par contre, là, j'étais vraiment comme ça devant le film. Ah ouais, ça, par contre, j'aime bien. Et quand je vois John Carpenter, je me dis, attendez, le vrai, celui qu'on Le connaît et vrai tout. John Et Carpenter. du coup, ça, je me dis, ah, bon, ça va être une bonne chose. Voilà. Alors, on va aborder un point. D'habitude, je suis plutôt le genre à être positif là-dessus. Là, ça ne va pas être le cas. On est sur un casting qui est proche de l'anarchie. La seule performance à la limite que j'ai vraiment envie de saluer, c'est Michael Gouyaïs, qui joue donc Rainburn, qui est vraiment très bon. À la limite, par son jeune âge, je tiens à citer quand même Ryan Keira Armstrong, qui joue donc la jeune Charlie, qui est pas parfaite, mais qui par son âge s'en sort à peu près bien. Et après, alors là c'est la cata, parce que Gloria Ruben dans le rôle du capitaine Hollister, elle est caricaturale comme c'est pas permis et ça ne fonctionne pas. Kurtwood Smith, qui joue le docteur Joseph Wanless, qui est pourtant un acteur que je trouve extrêmement classe, et ici complètement à la ramasse, et on le voit durant une scène, alors que dans le bouquin il a un rôle beaucoup plus important. Mais là, ici, voilà, c'est genre, c'est un fou, à la retraite, point barre, démerdez-vous avec Puis même ça. on la voit pas beaucoup elle hein, au Lister. Tout à fait. On peut citer John Beasley dans le rôle de E.F. Menders, le mec donc qui héberge Andy et Charlie, qui est pas trop mal, mais sans plus. Et alors là, c'est là qu'on rentre dans vraiment catastrophique. Sydney Hemon dans le rôle de Vicky McGee est pas bonne. Elle est vraiment à la ramasse et je la trouve pas attachante du tout alors qu'elle joue quand même la mère. Et putain, Zac Efron! Ah, vas-y, je te laisse en parler parce que sinon je vais me faire mal au crâne. De Zac Efron? Ouais. Bah alors moi ce que je te disais c'est que c'est pas un acteur que je enfin j'aime bien mais là il est pas du tout fait pour ce rôle. Oh non. Oh non. Vraiment pas, je l'ai bah du coup j'ai trouvé qu'il avait pas beaucoup d'expression voire pas du tout. Mais non, mais il a fait trop de chirurgie esthétique, donc comment tu veux qu'il arrive à faire des expressions? Il a Il est figé. il est ouais, Il est figé alors comme je sais pas ça. s'il a fait de la Ah chirurgie esthétique. si, si, je t'assure. Bon bah si tu le dis, mais en tout cas ouais il a pas beaucoup d'expression, il y a pas non plus d'alchimie avec le personnage de Charlie. Ouais, il y a John Armstrong, ouais, Donc non, il n'y a ouais pas ça de. colle pas en fait, mais je pense que les efforts c'est à lui de les faire, parce que elle du coup y a des scènes où même quand elle est angoissée ou quand elle pleure ou autre, bah, c'est assez convaincant quand même. On reste quand même sur une palette d'émotions très restreinte Ouais, tout à pour fait. elle, mais alors lui c'est carrément inexistant. Je t'ai dit, la seule scène où j'ai trouvé qu'il avait de l'émotion, c'est quand il prépare des pancakes. Ce qui est quand Ce qui même est un vachement peu. crucial pour Bah ouais, l'histoire. non, non, mais ce qui est un peu nul, parce que je pense à une autre scène qu'il y a en milieu de film où justement Charlie se sert un peu inconsciemment de ses pouvoirs et où il lui dit justement de terminer le travail, entre guillemets. Cette Oui. scène-là, il n'y a rien. Ah oui, celle avec le petit Ouais. chat. Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a Non. rien alors que c'est une scène cruciale, c'est justement un moment où justement on voit enfin même si on l'a déjà un petit peu vu avant dans les toilettes de son collège, mais Ouais. c'est un moment où on voit vraiment l'impact de son pouvoir sur son environnement. Et lui, il est juste en mode, bah vas-y, il se détend, elle est finie, Ouais, il a puis pas. t'as commencé, termine, connasse, On a hein? l'impression qu'il n'y a aucune gravité à l'événement. Non. Et du coup, c'est vraiment une petite scène où t'es encore plus sorti du film parce qu'il fait pas le taf, quoi. Ouais, non. Du coup, après, lui, il utilise son pouvoir. Alors, l'utilisation de son pouvoir, elle est un peu identique à ce qu'il fait dans le livre. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que dès qu'il utilise son pouvoir, ça lui coûte encore plus au niveau de santé et ça lui provoque des grosses migraines. Là, il a carrément du sang tout le temps. Ça me fait pleurer à chaque fois que je regarde ça. Ben non, mais moi pour moi c'est un effet qui a été rajouté parce que justement Zac Efron était trop monolithique et ils se sont dit putain il faudra qu'on rajoute des effets parce que sinon les gens vont même pas comprendre qu'il utilise ses pouvoirs. Ouais, à part le petit comme ça là, Oui, le ça. Ah petit oui le. craquement sur le côté. Bon. Mais ouais, non, gros point faible, c'est lui. Et point fort, bah, l'acteur qui fait Rainburn. Même s'il aurait mérité beaucoup plus de développement, Tout à fait. le peu où il apparaît à l'écran, Il est quand même très charismatique. il est charismatique. Et il peut même être menaçant. Voilà. Ou attachant. Ou attachant, bah, Ou du coup, oui. attachant. Ce qui est compliqué vu le personnage que tu joues, mais non, Ouais. non, c'est très très bien fait, je trouve. Bah pour le coup, vu qu'ils ont changé la fin, il fait très bien les deux. Tout à Donc ouais. fait. Il y a vraiment que lui, et un petit peu Charlie, que je sortirais du lot, mais sinon, On est d'accord. il n'y a pas grand-chose à sauver du casting, je trouve. Oh non. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens au final de ce Firestarter version 2022? Bah, j'en retiens pas grand-chose. J'en retiens pas grand-chose. Je vais te dire ce que je t'ai déjà dit. Je vais en ressortir la musique qui m'a vraiment beaucoup plu.
Un peu le personnage de Rainbird, du coup, mais après, dans la globalité, c'est pas un film que je retiendrai, vraiment pas, en termes d'adaptation. Donc, ouais, je retire pas grand chose, quoi. Je sais pas trop quoi te dire de plus, parce qu'en vrai, j'ai eu déjà du mal à rentrer dedans. Quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, bah, ok, ça marche. J'ai regardé Firestarter 2022, mais maintenant, dans 2 mois, Oui. j'y pense plus trop. Non. Je sais pas pour toi ce que tu en retiens, mais moi, pas grand chose, hein. Ben en fait sur le coup je t'avoue que j'étais satisfait sans être transcendé et plus j'y pense plus je pense que malheureusement le film est très oubliable, ce qui est Oui. problématique parce que même si j'ai été diverti sur l'instant, c'est vrai que ben ça avance et tu l'oublies. Bah c'est ça, c'est être diverti, c'est intéressant parce que majoritairement tu vas être diverti par un film, mais c'est pas mémorable. Alors qu'il y a d'autres adaptations qui ont été faites qui, elles, sont beaucoup plus prenantes, Ouais, tout à fait. poignantes, et elles, tu t'en souviens et elles, tu les revois avec plaisir, mais parce qu'il y a un vrai travail derrière Ouais, c'est ça. de bout en bout, et je pense que c'est aussi une question de. Je sais pas, de réalisateur que tu mets derrière. Enfin, moi, je pense toujours à Frank Darabont parce que je sais que La Ligne verte ou Les Évadés, c'est culte. Ouais, c'est ça. C'est Stephen Ou King. The Mist, encore Et une The fois. Mist, il est incroyable. Celui-là, vraiment. Mais même plus dernièrement, Mike Flanagan qui avait adapté Doctor Sleep. Alors, Enfin, justement, ouais, Mike c'est. Flanagan, pour moi, c'est un des meilleurs réals fantastiques aujourd'hui. J'ai vu tout de lui, j'aime tellement ce qu'il fait. Ah bah Et c'est. Doctor Sleep était génial. Mais ouais. Parce que bah, dans Doctor Sleep aussi, il y a un très beau travail. Parce que lui, il fait des plans majestueux à chaque fois, Oui j'aime bah oui, beaucoup. non, non, mais parce qu'il y a, y a un Mais. réalisateur qui a beaucoup plus de mainmise sur son projet, Ouais. contrairement à là où clairement c'est pas le cas. Absolument. Et c'est ça qui fait que Firestarter de Keith Thomas, c'est pas très bon. Et Ouais. qu'on vous conseille pas plus que ça de le voir en salle. Allez voir. Alors regardez plutôt The Mist, si vous l'avez pas vu. Et Doctor Sleep aussi. Voilà, ce sera la petite reco de fin de Voilà. vidéo. Carrément. Ce sera mieux. Merci mon cher Kevin Bah, d'avoir merci à participé à toi. cette vidéo. Merci à toi. Bah on se retrouvera bientôt, de toute Oui, façon, on le sait très bien, pour un pour film bien meilleur, je pense. Black Phone. J'espère, Inch'Allah, Inch'Allah. Quand même, je pense qu'en termes de mise en scène, déjà il y aura Oh bah déjà, il y a beaucoup Scott plus Derrickson, de. donc je pense qu'il y Voilà. aura beaucoup plus Et d'idées. il y Et a puis il y aura Ethan Ethan Hawke, Hawke, voilà. voilà, gentiment enlève les mots de la bouche, mais Je pense ouais. que ce sera beaucoup Je mieux. pense qu'on sera bien plus divertis. Et Carrément. d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, Toujours. et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus! Ouais, Mais ouais. voilà, c'est le seul mot de fin que l'on trouve, un pauvre soufflement. C'est quand même bien triste.